torturous fact. Bonjour, bonsoir, dépendamment de à quelle heure on suivra émission pour mise au point. Nous avons vraiment un plaisir pour nous capables ensemble matin, pour nous capables continuer à parler sur tout ça qui a dominé l'actualité. Jodi à là, nous prenons parler sur question diaspora haïtienne, intégration diaspora, puisque il y a un pile débat qui fait sur question ça, et surtout dans la question amendement, proposition par rapport à nouvel amendement constitution, eh bien, il y a proposition commission fait dans sens ça, et bien, diaspora lui-même qui voulait intégrer nous capables de tout faire dans la vie nationale là, et bien, nous pourrons regarder tout ça avec Anderson lui-même qui est avec nous aujourd'hui là. Nandil, bonjour, merci de ce pour l'invitation dans Villas. Bonjour, monsieur Ruben, m'a profité de saluer toute fan inconditionnelle, si belle émission ça, donc c'est une grosse plateforme, c'est un plaisir pour moi et pour moi avec vous, pour nous parler sur un sujet d'actualité, nous avons dit un sujet même qui est urgent. Donc, moi content avec vous matin. Anderson de Villas, qui est-ce lié? Anderson de Villas, son ami, son frère, son monde qui aime la vie, mais c'est un monde qui a une formation en linguistique, qui a une formation en psychologie dans la faculté d'ethnologie. Moi, j'ai tout un master en International Community Development. Moi, c'est tout un écrivain poète de talent avec 10 publications, 4 en créole haïtien, 4 en français, 2 en anglais. Donc, moi, c'est un monde qui est très engagé dans la communauté moins. Donc, il y a un focus, moi, c'est délinquance juvénile. Et c'est ça qui fait que moi, c'est actuel président, il y a une structure qui est aux États-Unis, qui est au Canada, qui est en France, et que nous travaillons pour nous faire le lancement en Haïti, dans fin d'année, qui est le Global Union 1803 INC, donc qui sont groupes qui gagnent un objectif pour faire d'Haïti une cause à défendre. Nous prenons rentrer dans l'organisation, nous avons regardé tout ça dans l'émission. Donc, vous faites en Haïti, ou arrivez parti ou aux États-Unis. Effectivement. Alors, qui est-ce que vous partez? Moi, à partir de depuis 2007, mais en 2011, moi, j'ai fait une expérience aux États-Unis. Et puis, moi, j'ai dit, bon, mais c'est, ouais, c'est capable de réintégrer. En fait, il y a un rêve, moi, dans la vie, j'ai toujours dit, qu'il y a un soir côté, il y a un soleil, il y a un terre, moi, qui vis, moi, qui vis. Donc, et puis, moi, j'ai dit que je vais essayer de faire l'autre expérience dans la vie. Et je vais dire que juste jusqu'à présent, moi, pas regretté. Et ça parle pour ceux qui quittent le pays à l'établir définitivement à l'étranger. Ça parle pour ces moi, c'est après l'élection de 2010, en fait 2011, moi, j'ai gardé le pays. Donc, moi, j'ai dit jeune et à venir. Politique, moi dit bon, allez essayer aussi de peut-être apprendre de l'autre espace, apprendre dans l'autre structure. Parce que une réalité que pour faire créer la gagne, c'est que l'homme est tombé dans tout, en pile fois, c'est un monde qui dehors pour aller pour balmer pour sortir. Parce que ou pas qu'à juge est parti à la fois. Moi, je voulais faire l'autre expérience pour me dire que qui ça moi-même que je suis capable de porter en termes de potentialité pour contribuer dans un meilleur devenir de pays, moi qui c'est Haïti. Est-ce que départ ou il n'est pas rentré dans le registre, quand il y a haïtien qui allait, qui dit ah, il dégoûte, il dégoûte le pays ça, bon tout quitter l'argent, mais je ne mets pas le mandat encore. Ou bien, ou même, ou entrer dans l'autre registre, ou à l'apprendre à l'étranger pour venir des pays où. Effectivement. En fait, je pense que un avantage que nous gagnons aujourd'hui, c'est qu'on ne vit plus en autarcie, quand on que chaque monde a vécu dans un petit coin. Donc, nous avons possibilité pour nous apprendre de l'autre, pour nous voyager. Et voyage en pile fois li ouvert yo sou voyager avec l'idée pour apprendre et puis pour capable partager son gain comme connaissance. Donc, moi t'ai quitté Haïti dans l'idée pour m'aller, pour m'apprendre, pour me comprendre et puis pour me utiliser expérience yo pour me tourner, pour me partager avec pays moi que moi vraiment aimé en pile. Oui, que environ 10 livres sur oui. Qui thématique. Alors en tant que poète, moi, je suis un poète qui est très engagé, mais moi, j'ai 10 livres, c'est poésie. En fait, 9 poésies. Dernier, c'est un livre qui, c'est short story, ça aurait les récits. Donc, qui, moi, écrit livre ça à partir de expérience, moi. Donc, moi, je travaille aux États-Unis comme yon JPO, qui veut dire Juvenile Probation Officer. Donc, ça veut dire, moi, je travaille avec Timon qui n'a gang, Timon qui n'a drogue. Et c'est ainsi que je peux découvrir que la communauté haïtienne a souffri aux États-Unis. Parce que presque toutes statistiques montrent, sur presque 50 Timon noirs qui sont en prison, il y a au moins entre 20 et 25 qui sont d'origine haïtienne.
Il y avait pourtant, vers les années 80, sous chaque 50 personnes qui étaient dans la prison, il y avait au moins 2 à 3 jusqu'à 4 qui étaient d'origine haïtienne. Donc ça veut dire, nous, on vient de dégringoler et c'est ainsi que moi viens essayer de garder différents aspects et puis moi écrit sur lui. Comme mon était difficile pour lui, donc moi dis que je vais mettre des séries d'informations qui sont clés, qui sont importantes, mettre en dans l'histoire. Et c'est livre ça qui sort en anglais? Eh oui, non, donc qui est le Paradise Place. Ok. Oui. Donc, qui sont capables de tirer dans le livre ça ou capables d'intéresser dans le livre ça? En fait, c'est un livre qui met toutes scènes qui sont importantes en fait, aux États-Unis que on monde cap le ventier, on doit connaître. Par exemple, en Haïti, depuis que nous avons nous avons idée dans tête de zones chaudes, de ça nourrit les zones rouges, les zones de non-droit. Mm-hmm. Pourtant, aux États-Unis, c'est dans l'école que gang recrute Timon. Pour quelle raison? C'est parce que aux États-Unis, loi juvénile, il protège Timon tout autant que les en bas 18 ans. Donc Timon ça, les papes subit donc grand prison. Il y a voué en prison Timon. Maximum peine que au Bali c'est en 21 jours. De prison juste pour capable réorienter, les réinsérer dans la société. Gang ça qui est très intelligent, il prend avantage de ça, il recrute Timon ça, il conseille de crimes, de actes, il fait Timon, il fait pour lui. Mais le grand danger, c'est parce que aux États-Unis, c'est un pays qui a fait l'enregistrer et la suivre. Donc, si mon ça qui peut être malchanceux, qui est tombé dans le système ça, et l'œil pral grandit, eh bien, lui pral vient gagner en quantité de dossiers qui déjà là pour lui, qui déjà existé, et dossiers ça y est pral suivre lui après l'elfine. Donc, atteindre ça y est l'âge majeur, ou du moins l'âge pénal, et quelqu'un soit ça le fait, ça capable de suivre lui. Deuxième bagage, c'est réalité économique. Dans la famille haïtienne, en fait, malheureusement, en pile n'a pas avancé intellectuellement. En pile n'a tout quitté dans l'âge côté que les difficile pour bien apprendre anglais. Donc ça fait une cause que premier souci yo, c'est le travail, faire l'argent pour payer les billes, pour prendre soin de la famille. On n'a pas une période bien déterminée parce que les gens qui sont leur partie, ils ont fait c'est à l'apprendre. C'est à l'apprendre. C'est aller à l'école d'abord. Mais malheureusement, la réalité, génération ça a changé. Donc, l'éopathie, c'est à la recherche d'opportunités, travail pour prendre soin de la famille. Et ça, ça qui peut occasionner que gagne un monde qui travaille matin, gagne un monde qui travaille dans la soirée, il n'y a pas de temps vraiment vrai pour superviser Timounio. Et ça qui est une cause que Timounio, il a subi influence facile. Mais ça qui est plus dangereux dans ce que je dis là, c'est que 60% de Timounio qui est en prison, c'est des Timounio qui a à peine sorti Haïti. Donc, ou ka imagino que ou un petit monde qui tombe dans gang, qui tombe dans délinquance juvénile, qui va même parler anglais, qui peut me comprendre pour quelle raison yo arrêté, qui peut me comprendre bracelet ou pas le mettre dans un pied là, qui sa probation n'a vle dit, et parfois les ou pas le mener dans court, dans tribunal, yo pas même bien assez compétence pour comprendre donc jugement. Donc ça vient une cause que Livin tourner en l'autre véritable casse-tête chinois. Donc de ce fait, nous venons réaliser que un petit monde qui quittait Haïti, l'est rentré aux États-Unis, peut-être que c'est ce petit monde que par ailleurs bien pensé à Haïti, et il pourra le réaliser que eh bien, bagala pas un Eldorado vrai. Et Timoun ça qui malheureusement qui fait folie pour un paquet de bagaille, et c'est là monsieur qui a recruté yo, et c'est là yo prend avantage de recruter Timoun ça. Donc c'est un livre qui est une série de histoire mais qui est basé sous bagaille qui a fait tout bon. Donc par exemple abus sexuel domestique, et un phénomène que m'te découvert tout, c'est que m'te découvert près de 3 à 4% de Timoun qui senti rejet. Par exemple, yon parent qui fait 3 timoun, 2 fait aux États-Unis. Timoun que le rentré de Haïtien, li gen tendance à faire timoun ça tourner esclave timoun que le fait qui fait États-Unis. Exactement. Mm-hmm. Donc que li dit li bon timoun ça c'est sous terre le fait, li gen tout doit aller, li ka fait ça l'œil de le dit. Donc qui pral venir cause que l'autre timoun a senti que gon rejet, et bien li obligé faire l'autre bagaille pour que j'en la jeune attention. Qui sont la jeune groupe d'amis. Et puis, dernière catégorie, c'est structure éducation. J'en ai formé à Haïti, pas même gens, avec aux États-Unis. 10 000, pour nous, c'est tout presque 100. Donc, différence entre point à virgule. Même gens, ils ont grade aux États-Unis. En plus, les parents ont F,
Donc, dans la tête, nous, c'est fort. Pourtant, F, c'est failure. Donc, ça veut dire son ces monde qui n'est pas bon du tout. Donc, ça veut dire réalité, hein, li complexe. Donc, si moun, ça parle d'un minimum d'éducation pour comprendre que le bras rentrer dans le système, mais ça capte. Donc, li gagne en pile chance pour le perdre. Tiens, ça. Donc, ça veut dire c'est tout travail ça que nous faisons, nous mettons sous forme ça. Et puis, gagne un bat Timoun. En Haïti, nous renflons Timoun. J'en ouvre même aux États-Unis, si mon yo gagne des droits. Donc, ou pas qu'à abuser, si mon nom physiquement, ou pas qu'à droit à abuser sexuellement, et si pas mal lire les na pour vous, ou pour le venir un Child Protected Services qui après entrer ça aurait des travailleurs sociaux ici. Donc, ou capable même perdre Timoun ça, l'État capable nan men. Et le pire, c'est que l'on perd Timoun nan, ou capable perdre ça, ou le your parental right, qui c'est droit pour parents. Il y a deux parents qui toujours été quoi, fouetter Timoun nan, est vraiment efficace dans l'éducation Timoun nan. Pourtant, à l'étranger, Timoun nan, il y a deux parents qui quoi, le fait qu'on pas carré Timoun nan pour rédiger ou pour faire un gambling, Timoun nan, des fois, quand même, vine qu'on certaine arrogance aux parents, qu'on calé parents et autres. Alors, il faut que je dise que nous vivons dans un air qui est totalement différent. C'est mon lieu vraiment, vraiment dérespectant, pas respecté par un. Mais ça me dit toujours par un haïtien. Loi a parlé de abus. Si toutefois, ouvre les calais, si mon nom assure qu'on ne peut pas quitter Max ou Paul. Parce que si là, dans l'école, il y a un Max ou Paul, l'école là, car il est Child Protected Services pour vous-même. Donc, parfois, lui-même, il n'a pas même besoin de faire ça. Même. Donc, l'important pour nous discipliner et moi crois que c'est la parce que quand dit depuis tout monde intégré les seulement dans Nairon et puis automatiquement la prison il pas besoin qu'on ait explication évidemment les préparants oui mais oui, ça veut dire pas question Max Soubo là mais ça qui passe en fait c'est automatiquement si mon a déclaré abus donc ou coupable. Donc c'est la justice. Donc Paul Timoun nan gagne plus valeur que Paul Grand. c'est pas gagne plus valeur mais rôle la police c'est arrêter. C'est pas pour le justifier. Maintenant c'est enquête. C'est comment on dit ça? C'est monde qui a pas le faire enquête yo. C'est eux même qui pral gagne c'est même qui pral évaluer déclaration Timoun nan. Mais police automatiquement arrivé yon moun pral aller. C'est dit ça c'est principe de base là. Mais maintenant, il y a pas dit qu'on pas droit discipliner petit tout. Ou gain plusieurs façons. Et moi crois que c'est la différence entre discipliner donc ti moun nan a ronfler bat, a abuser. Donc l'arrivé kay parents yo ti moun nan gen tout dernier modèle tennis, tout dernier modèle téléphone, ti moun nan gen tout ça le besoin. Gain parents que me connaît qui pas même qu'à acheter un bon soulier mettre dans pied mais ti moun yo gen tout bagaille. Donc yo a pas acheté l'amour ti moun. Pourtant on ti moun tous ces moments que pour parents bâtir en relation avec petit li. Ces moments pour mettre dans tête petit tout ça gagner comme culture. Moi gon matat moi et puis l'homme fait qu'entrer moi suis Jean petit li pas parler avec lui. Mwen li asmen ti bam don gen bagay. On dit d'ailleurs c'est États-Unis en dedans qu'à Haïti. Donc Haïti nous on respecte grand monde, Haïti ne pas respecter grand monde, Haïti ne pas frapper pied sur grand monde. On dit et mbo garanti non seulement m'a tête moi à calo, m'a bo téléphone là pour faire 911. Et l'a fini faire m'a montre que côté on va le mener non là de qui est les foster parents, monde que on va le porter, monde que on va le mener en balien qui pas gain ken attachement émotionnel à avec ou le sa pral konn la vie. Quelle façon pour faire si mon nan comprendre que ou pour lui ou donc ça veut dire ou pire même que quelqu'un soit ça l'état qui a offert comme option. Mais faut faire travail ça. Donc et une des gros dangers gagné c'est que si mon génération ça est très émotionnel. Nous même pas haïtien non nous pas montrer affection. Nous pas dire si mon nan le bel, nous pas dire li intelligent, nous pas dire nous remen li. Nous pas montrer que li important pour nous. Mais dès qu'on va noter qu'on gon baï dans culture non les on ti moun piti ou ap di le bel pa moun yo kon pa vle ou di ap joke ti moun nan wow bad kon sa oui il di ap joke ti moun nan wow en fait mais en réalité gen ça rele self esteem qui c'est estime de soi li important pour aider ti moun sa depuis petit à bâtir et pour bâtir quelque chose ça ou di ti moun nan en tant que parent quoi moi même
moi son exemple vivant. Je change que leur parent, leur maman, moi, c'était qu'on a pris ça, moi, écrit, il était toujours dit, quand on copie bagay ça. Et puis c'est un jour, maman me dit, si c'est vous-même qui écrit bagay ça, vous voyez, eh bien, où sont poètes. Le jour, il dit ça, c'est un coup où il y a un déclic qui fait en dedans, effectivement, je me sens un poète, je me sens un gros bagay parce que maman me dit, je suis un gros bagay. Donc, si, donc, parents, ils ont un pouvoir pour lui créer un petit monde pour le faire, le monde que le tarim est lié. Ok, donc, est-ce que le livre ça, vous pensez faire une traduction dans la langue créole, dans la langue française, pour permettre que le public qui pas connaît anglais capable connaît qui ça qui dans livre là capable des monde qui pour aller États-Unis effectivement. Donc ça sont très belles questions. Donc c'est dit titre livre c'est Paradise Place en créole qui c'est paradis sous terre. Moi commencer à traduire en fait il y a une spécialité tout c'est traduction à interprétation à transcription. Donc moi commence à travailler sur lui. Mais on connaît il n'a plus de difficulté au gain en tant que on écrivain c'est traduire propre œuvre. Donc en plus de fois ou gain l'impression que on écrit on l'autre œuvre pendant on traduit œuvre là. Donc ça c'est notre réalité. Même capable de dire que son travail extraordinaire. Donc en pile parent et donc pas payer attention de bagage ça yo mais commencer réaliser que combien il est important pour pas seulement bail ti moun nan manger boire acheter bagage luxe donc mais faut qu'on gagne en relation qu'on bâti avec ti moun nou spécialement non monde de distraction ti moun nan gon téléphone qui a distrait li gon télévision qui a distrait li gen l'école kabra, en fait qui sont véritables on t'a dit un moteur qui capable désorienter ti moun facile parce que on fait point ça pour monde cap suivre moi j'en l'école aux États-Unis ti moun pral l'école par rapport à zone autorité zone autorité hein li par rapport à quantité comme que on fait donc li lié avec crédit. Donc ce sont monde qui pas fait gros l'argent, bon l'argent, ou qui a tendance pour être dans une zone qui de basse qualité. Donc, ça veut dire low income. Lorsque tu es dans une zone, eh bien, Timounou, c'est là pour aller. Donc, fréquentation, Timounou, pour le faire. Donc, il y a une chance que le pral fait des mauvaises fréquentations. Donc, et c'est ça qui fait que moi, toujours prends le chemin pour me rappeler par an, yo, combien il est important pour que tu aies choisi Kaye, pour faire. Pour faire investigation sur qualité de l'école, zone gagnée, ça va pas permettre que si mon yon fait moins, en fait, je ne dis pas faire non, mais fait moins mauvaise fréquentation que possible. Mais je dis là tout, dépendamment de revenus et crédit par an. Oui, certainement. Oui. Est-ce que c'est expérience ça, libre ça que vous écrivez, qui peut le pousser ou créer organisation ça? Alors, organisation ça créé avant moi, donc c'est groupe professionnel, c'est un plus jeune. Donc moi rencontré avec eux dans Disney World, c'est pasteur, avocat, docteur, son équipe professionnelle qui réalisait que eh bien haïtien réussit aux États-Unis individuellement, mais nous étions la plus petite communauté. Collectivement, haïtien très très faible. Et on peut le voir que il y a un exemple simple. Florida, c'est un côté qui est plus haïtien. Jusqu'à présent, politiquement, nous n'avons pas qu'à bailler un sénateur qui allait à Washington. Et même dans la période élection, c'est dit communauté haïtienne, c'est la communauté qui recevra moins d'investissement. Donc, monsieur Ovin dit qu'il y a les collecter des penseurs, qui prennent le focus sur la solution, et non pas à problème, qui prennent passer tout le temps à faire diagnostic problème. Donc, l'homme de rencontrer yo, et yo te fait appel à moi. Donc, yo te dit que yo t'a remis que moi intégré. Yo me dit, bon, quel que soit bagay ko di Haïti, dépis pour la bonne cause là-dedans. C'est ainsi que moi intégré yo, moi travaille avec yo sans prendre souffle. Moi, c'est mon tempérament qui fait deux bagay dans la vie. Ça me remet, ça me carré. Donc, m'pas foyer que m'pas remet, m'pas foyer que m'pas carré. M'fais ça, m'remet, et m'remet ça m'fais. Donc, nous réfléchissons sur la situation haïtienne qui vit à l'étranger ou la situation haïtienne qui vit en Haïti. Alors, les deux. Donc, il y a une bagaille que nous pouvons réaliser. Nous pouvons voir que la diaspora, c'est en force, mais les plus, donc, non pas injecté dans le budget d'investissement pays. Et deux,
milliards de dollars que diaspora voyant li rentrer sous forme de transfert. Mais diaspora gagne plus que le cas offri. Donc diaspora a offri expertise et expérience. Par exemple, il y a une faiblesse que Haïti gagne sous forme institution, c'est ça les customer service. Ça les services à la clientèle. Service à la clientèle, c'est une clé pour business. Malheureusement, lorsqu'on rentre ici, les gens qui n'ont pas la voix sont des choses terribles. Ou à un restaurant, au moins une bonne fois, ils n'ont pas une bonne fois, et le dessous, ils ont arrêté côté. Donc, ça dit, concept de faire client dépenser plus là, aux États-Unis, ou qu'ils rentrent côté, ou qu'ils ont une bonne fois, ils ont une bonne fois, non seulement ils finissent de manger une bonne fois, le banana a fois pareil, yo faut acheter son parent compte. Donc c'est capacité donc pour mon nabao un service à la clientèle qui hors pair, qui de haute qualité ou sa tiquette. Moun sa lire même li nan intérêt sont pas réalisé que moun sa c'est comme la va faire avec vous. Donc gagner question investissement. Je dis si moun voulait ouvrir un business aux États-Unis, nan moins que 60 secondes non ou vérifier non ou payer business ou déjà enregistré. En Haïti son véritable casse-tête chinois. Mais on connaît constat ça ou fait un lié aussi valable. Il y a deux diasporas qui viennent investir en Haïti et puis service à la clientèle dans le business pas bon. Non, mais c'est même ça qui passe. C'est pas investissement, c'est pas business, non, mais c'est formation milieu. Si on n'entend pas formation milieu, c'est culture. Les gens mettent business là, qui présent le business, qui capture le business là, sont les gens qui sont dans la diaspora mais qui viennent investir en Haïti qui viennent business pas. Oui. Et pour le service à la clientèle, il y a pendant la prendre bien. À l'étranger, il fait le mal en Haïti. Alors, par rapport à dire que le bien avant tout. C'est que dire que ça dépend de qui est, vous comprenez, collectivement. Parce que, il y a des choses qui sont réalité. Mon ouïe a donc milieu que où évolue à l'IFAN puis l'influence. Et il y a des gens qui vivent aux États-Unis qui étaient haïtiens, dans le sens que mentalité qui négatif là c'est lié au Kembe, c'est lié au attaché. Donc et au parallèle que gagner de monde même s'il était bon désordre Haïti pour arriver aux États-Unis pour descendre et avion lui changer complètement. Gagner de monde qui a sorti aux États-Unis pour arriver dans airport là automatiquement l'idée du bon là c'est Haïti bien bon pour former Haïti. Donc c'est ça qui fait me parler d'une collaboration institutionnelle côté que nous parle gagner des professionnels qui capable dit mon nom que c'est pays maintenant gon minimum que ou attendre de moi mais même m'attendre même minimum ça de vous. Donc côté doit commencer c'est là doit pas me fini et maintenant l'on en perspective business objectif business son gain bagage c'est rentrer l'argent. Donc faut raffiner ses services au maximum pour qu'on rentrer l'argent. Et service à la clientèle, c'est un énorme point clé. Deuxièmement, il y a une transparence administrative. L'État haïtien, c'est un État qui n'est pas transparent du tout. Ou rentrer dans l'office pour le payer, ou payer un bagage 1000 gouttes, il y a un reçu de 30-35 gouttes. Mais ça qui passe, c'est parce que l'État pas quelqu'un côté que service liant prix tarif lié exposé bien avant m'arriver déjà connais que mais ça me va le payer donc tarif là expliqué exposé. Il y a un plus gros problème diaspora c'est douane. Lorsqu'il vient dans douane pour des douanes anti machine ou du moins en marchandise faut qu'on beaucoup pour suivre lui donc tout côté le fait donc ça dit il va le faire payer sur gens garder aux gens j'ont habillé si vente au gofie gofré donc ça dit pas gagner donc nous pas standardiser opération administrative donc ça dit c'est tout ça c'est côté que compétence diaspora capable utile pays hein. Moi connais plusieurs monde qui gagne entreprise qui là dans éthique donc moun sa yo yo capable bail l'état service et en plus dans yo c'est des monde qui c'est des retraités qui paraît pour même faire volontariat pour donc pour l'état haïtien. Moi retourner sur exemple qu'on prend tout à l'heure, côté que ou dit, gen de haïtien, lui arrive l'autre bord conformé par le système là. Si vous consacrez au papier de là, parce que vous connaissez la gueule là, il y a pratique et il y a parité. Mais pour que vous venez en haïtien, descend en avion, vous allez rapidement la gueule sachée dans la rue. Exactement. Mais pour qui ça, on réfléchit entre système là et individu là. Pour sa diaspora ne pas commencer lui-même, au lieu que lui intègre le système là, lui performe le système là, lui de préférence contribuer pour changer le système là. Donc puisque lui connaît, j'étais fatal dans la rue, il n'a pas fait
États-Unis, pour ça pas commencer toujours gain comportement ça même le Haïti et le fait que lui même plusieurs autres mon a gain même comportement ça et bien individu a fini par influencer le système au lieu de système qui influence l'individu. Alors ou dit vrai parce que un système sont entité fictive qui pas gain encore physique. Donc automatiquement li incarné dans ou suivre tout côté passé. Moins qu'on a ici jusqu'à présent, il y a bail contravention parce qu'il y a pipi dans la rue aux États-Unis. Si toutefois yo si toutefois parti, mandé pour yo maintenant visiter les Little Haiti. Vi font garder gens nous fait partie dans la rue Monio. Jean nous bien avec Grèce. Font garder quantité de contravention chaque jour à ban. Donc, faut pas oublier que niveau éducation rentré dans le fonctionnement du monde, sans qu'à comprendre, sans gagner en termes de minimum. Et c'est ça qui fait que donc, nous non plus parler de réorientation, parce que bon l'âge que monde arrive, il sent-il réussi, il sent-il dit arrogant, ou pas qu'à dire qu'on peut fait ça. Donc, c'est dit, ou obligé qu'on système pour réorienter, pour montrer que par rapport à monde lié, eh bien, s'il fait ça, la plus bon pour lui, et la plus bon pour l'image. Et c'est là que moi, j'aime la philosophie globale union qui sait faire d'Haïti une cause à défendre. C'est quelqu'un soit mounouillant, c'est ouais ou comme un défenseur d'Haïti, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger. Parce que nous pas grandi avec une connaissance de connaître qui s'annoye en tant qu'Haïtien. De connaître qui c'est Haïti, vous l'avez dit pour nous. Donc, de connaître que Haïti, c'est d'abord un espace géographique, mais son espace immatériel que nous avons porté, quelque soit à côté de nous passer. Donc, nous n'avons pas grandi avec connaissance de réalité, ça. Et ça prend la cause que, en pile fois, nous n'avons pas compris que nous avons fait des bagailles qui ont détruit Haïti, pendant que nous avons détruit propre tête. Okay. Global Union 1803. Pour qui ça, 1803? D'ailleurs, nous pas créé en 1803. Oui, ça, c'est une belle question. Effectivement. Alors, il y a un que je ramène à Napoléon Ier, pour ce que nous avons été battu en attaque haïtienne. Il dit qui ne connaît pas son histoire est condamné à le revivre. Il y a une réalité, c'est que le peuple haïtien, nous avons une crise identitaire très grave. En pile fois, ou pas même qu'on côté pour commencer avec haïtien. Mais cependant, tout haïtien a une seule fierté, 1804. Tout haïtien fier de ce que nous sommes premier peuple qui libéré. Donc, nous c'est une génération fierté, nous marier dans le passé. Nous. Donc, M. Ovin dit que le fait que ça est capable y un point de départ et la révolution haïtienne de 1803, c'est l'une des plus grandes révolutions, l'une des plus belles et qui peut influencer première, deuxième révolution industrielle. Donc, nous venons dire que si nous partons sur base ça, nous avons une raison pour montrer aux Haïtiens que donc, si nous avons deux monde qui pas gain accès à téléphone, qui pas gain accès à technologie, qui pas gain accès à avion pour voyager, si nous avons réalisé ça, et bien, si nous copier sous esprit, et bien, il est possible pour nous réaliser un gros bagage. Donc, c'était là donc, l'idée de 1803 sorti. Plus sur son linguiste, je me pose une question. Quel est le cas de la diaspora? En fait, moi toujours pas aimé thème diaspora. Thème diaspora, moi pas inventé li. Donc si on attribue li à moi, donc m'pas ka courir derrière li, mais en tant que linguiste, yon mot li incarné sur une frise chronologique. Ça veut dire que moi ka évolué, définition moi tout ka évolué à travers le temps. Je dis pour moi, il y a une diaspora, pas seulement il y a un monde qui quitte le pays, mais il y a une diaspora sur monde qui non seulement quitte le pays, mais qui intègre la communauté dans le pays, le rivière, côté le rivière. Et il y a une bagaille que je remets à définition ça, c'est que automatiquement, on a conscience diaspora, ou pour venir en défenseur d'Haïti. Je dis, il y a un plus gros promoteur que Haïti gagne dans le monde, c'est la diaspora. Parce que là où télé internationale, il n'y a pas rien de bon à dire d'Haïti. C'est à travers colloque diaspora qui a vendu Haïti bien. C'est à travers festivités culturelles, fêtes et fêtes drapeaux. Moi, même où elle est 18 mai, pour même les gens qui n'est pas haïtien, donc drapeau Haïti le souligne. Et récemment, donc président
les Américains font une déclaration d'Haïti, en fait, sur Haïti, et qui pral interpeller conscience pour pas quelqu'un qui pas de connaître Haïti, qui pral redécouvrir Haïti. Donc, ça veut dire, diaspora, pour moi-même, lit pas seulement on concept, mais son entité, donc, qui ont entité d'espoir. Donc, ça veut dire, il y a une diaspora, son monde qui ont conscience que le quitte pays, mais le quitte pays, pour le rendre pays le service, le quitte pays, pour être capable de contribuer dans l'avenir pays. Anderson lui-même, si fiatel de Haïti, soit van Haïti, à moun qui gagne mauvaise information de Haïti, mauvaise nouvelle que a poursuivre de Haïti, qui sont abusés. Gen de bagay que m'toujou toujours dit tout moun qui van moi Haïti de Haïti comme pays pauvre. M'toujou dit raison pour penser Haïti comme c'est un pays pauvre, c'est image que ouais. Mais là la caillou gagne image tout. Moi rete dans Apopka, non quartier blanc, derrière mon con quartier noir. Sous les gens qui ont vu, c'est pour les gens qui ont vu ça. Je ne peux pas me ça dans la télévision. Je ne peux pas me voir ça sur Facebook. Je ne peux pas me voir ça sur les réseaux sociaux. Parce que, ils ont essayé de contrôler l'image. Mais deuxième bagaille, je me prends une approche historique. Je dis toujours que Haïti, c'est un pays qui est toujours en guerre. Donc, c'est un pays qui est toujours en bataille avec le monde. Je me toujours dit, en fait, et spécialement les Américains. Je toujours dit nous c'est le seul pays qui n'a pas gagné, mais qui constamment bail. Et pour moi justifier ça. Donc, pour bien expliquer, pour bien comprendre, oui. Haïti dans la guerre. Oui, dans la guerre. Dans la guerre, c'est une guerre idéologique. Pas oublier que, sous garder l'évolution noire aux États-Unis, c'est les États-Unis qui fait me comprendre pour les gens qui ont fait Haïti. Noir pas bien vu. Noir yo pas gon bonne place. Noir yo jusqu'à présent en 2018 qui a fait face avec raciste. Donc Haïti par rapport à l'histoire nous, li fait que quelqu'un soit blanc qui raciste, quelqu'un soit blanc qui paraît mais noir, mettez nous dans toutes noirs dans la même catégorie. Et deuxièmement, guerre c'est pas guerre d'âme mais c'est guerre idéologique. Il y a une bataille que le monde qui pas d'accord que noir prend nous apprend extension et expansion fait. Yo kembe Haïti comme un exemple de mon pays qui a fait une grande révolution et regardez Haïti aujourd'hui. Qui ça Haïti devenu? Communauté noire, donc qui développe yo, c'est ces communautés noires qui sous tutelle. Gardez la Martinique, gardez la Guadeloupe qui c'est des départements d'outre-mer de la France. Ça dit, Haïti a un conditionnement international qui fait pour permettre que Haïti j'en lire. Je t'avais dit, exemple Martinique comprend qui sous tutelle la France là. Oui. Et je t'avais dit que tu as espéré Haïti sous tutelle. Oh non, jamais, jamais. En fait, moi ma parce que tu pays soit développé parce que sous tutelle. Non. Mm. Moi, j'ai dit que yo utilisé pays ça yo pour montrer que gagner pays dans Caraïbes là qui pas de faire ça Haïti fait. Okay. Je dis qui gagne yon mieux. C'est comme si Haïti vient tourner yon échantillon de malheur. Et moi toujours fait défense ça, montrer que une raison fait Haïti son échantillon de malheur, c'est par rapport à donc entité qui a exploité lui. Un exemple simple, je dis ambassade américaine qui est en Haïti, c'est quatrième plus grande ambassade que américaine dans le monde entier. Nous sommes pays qui paguent la roquette, nous sommes pays qui paguent missiles sol, nous sommes pays qui paguent en rien qui est capable fait inciter terrorisme. En fait, c'est un pays qui est paisible. D'ailleurs, malgré les gens qui ont insécurité, la caille nous étions de pays non caribé blanc qui ont insécurité puis moins. Donc, c'est par rapport à l'image que les médias vendent d'Haïti. En fait, je parle de médias internationaux. Mm-hmm. Et les gens comptent sur les médias pour comprendre Haïti. Et c'est ça qui fait que chaque Haïtien, je dis, est obligé de rééduquer tête dans l'image de vendre d'Haïti sur les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux ont une possibilité pour moi apprendre d'Haïti. Moi-même, le je vais rentrer à Haïti avec groupe monde, m'assurer que je montre Haïti en l'autre façon, vendre Haïti en l'autre façon, me présenter Haïti en l'autre façon pour eux. Donc, le global Union 1803, il y a bataille dans la question de l'école juridique. Exactement, mais aussi dans l'investissement. Je dis en parallèle qu'un pays qui a avancé sous pas gagner des investisseurs potentiels. Investisseurs, il faut quoi pour choisir investisseurs en fonction de ce qu'il a offert, en fonction de main-d'œuvre, taxation et procédure. Malheureusement, jusqu'à présent, l'État haïtien ne pas comprendre ça. Pas comprendre que nous n'avons compétition avec même pays qui est plus près de nous.
Et une des plus gros mal que nous fait Haïti, c'est à travers la diplomatie. Le nouveau y des séries de monde à représenter pays à l'étranger, on a l'impression que nous voyons monde qui est pipe associé d'Haïti. Et nous voyons monde qui peut-être qu'a formé pour Haïti, mais qui n'a pas formé pour côté nouveau. Par exemple, moi, j'ai commencé à me consul, et puis nous avons fait un partenariat avec Disney World. Et puis, je suis allé dans une réunion, j'ai fait tout un étalage. Un, je ne sais pas parler anglais bien. Deux, je ne sais pas parler langage que diplomatie parle en anglais. Mais trois, ils ont tout étalage que l'a fait, que ne pas comprendre que l'île est un pays qui est rapide. Donc, blanc dit, time is money, money is time. Il faut qu'on concis, précis, pour dire ça, on dire. Donc, je pense que l'État haïtien a besoin d'une meilleure collaboration avec la diaspora pour identifier des talents, pour identifier des compétences et faire un partenariat sérieux. Donc, pour permettre que le pays soit capable de canaliser ça, que la diaspora soit capable de porter en termes de compétences et d'opportunités pour Haïti. Organisation, il y a des investissements qu'elle fait déjà en Haïti ou bien il y a des prévus à faire? Il y a des prévus à faire. Dans quelle sphère d'intervention, dans quel champ? Il y a un champ qui actuellement là, qui est très intéressé, nous, c'est ces transformations. Et il y a ces transformations à deux niveaux, c'est agriculture et déchets, déchets toxiques. En plus, le monde ne connaît que Fatra fait gaz propane, Fatra fait papier hygiénique, donc Fatra a un paquet de bagages que le café. Donc c'est tout simplement payant pour ouvrir by structure, by groupe monde qui est capable de pour faire connexion. Alors, il faut que nous avons travaillé sur Haiti Investment Week. C'est pas un week-end côté que nous allons les investisseurs, nous allons tout aller et représentant l'État tout pour venir dire que pour qui raison ils sont casse-tête chinois comme ça pour un monde ouvert en entreprise à Haïti. Qui a fait dans le mois de décembre? Non, là, ça a été fait en février prochain. Okay. Oui. D'accord. Est-ce que il y a des démarches que nous entreprenons déjà dans le sens que, par exemple, nous prévoyons, nous sommes capables d'investir dans la question de la transformation des déchets? Oui. Est-ce qu'il y a des démarches que nous faisons déjà, soit auprès de certaines municipalités ou d'autres entités dans l'État? Alors, actuellement, là, nous en processus pour nous enregistrer légalement les sites pour nous faire part à Kouyo. Ce qui est bon avec l'organisation, ça, c'est que trois Camounio par haïtien. Donc, c'est des Indiens. Ça fait le bon. C'est des gens qui convertissent en haïtien. Faire d'Haïti une cause à défendre son concept qui gagne comme idée pour convertir les gens en haïtien, quelle que soit la nationalité. Mais ce risque-là, pas que les gens ne doivent pas vraiment se faire une réalité haïtienne là? Non, mais t'entendez, c'est non besoin pour investir. Donc le côté sentimental et émotionnel, ça n'est pas l'année, c'est l'argent dont nous avons besoin. Okay. Ce ça nous besoin, nous avons besoin pour le développer, c'est-à-dire qu'il faut attirer les gens qui sont en main. Donc, et automatiquement, nous finissons pour l'évangile, nous finissons pour prendre. Donc, et vous dites qu'au prêt pour investir, mon chaîne de welcome. Même si vous voulez, même si vous dites qu'au Paris Haïti, mais si l'argent n'a rien à Haïti, c'est comme si c'est dans la dimension sanitaire. Quitter le côté sentimental et émotionnel pour nos business, pour nous qui sont capables d'orienter les pays vers l'administration. Investissement que nous pouvons faire, c'est plein poche ou bien investissement de développement? En fait, c'est souvenir avec un investisseur qui investit jeudi en un déchet, mais il ne peut pas mettre l'attache en l'endroit pour ne pas faire comme. Non, mais ça dit, on est dans le capital ou investir pour rentrer. Et le développement de tout ça? Non, mais en fait, c'est pas qu'à Bambo, on exemple court et rapide. On a dit au bon, on compagnie de transformation de déchets qui Haïti jeudi à là. Cap transformer tout déchet toxique et puis qui va l'utiliser sous bagaille qui est utilisable pour revendre. Automatiquement, c'est opportunité, c'est développement. Et il y a une chance que nous capable gagner, que nous devons gagner, c'est canaliser nos investisseurs. Et ce n'est pas eux qui viennent dire nous qui ça pour nous faire, ce n'est pas eux qui viennent dire nous qui ça développement, mais c'est nous qui viennent dire que, eh bien, mon patate que nous avons pour faire business. Et automatiquement, que nous avons établi l'affaire business, l'a sponsorisé, l'a fait un paquet d'activités, l'a encouragé. Le développement, mais développement, qu'un investisseur par vient faire des développements là à Kayo. C'est l'État qui a un souci pour le faire développement, donc qui orienter le monde qui fait des développements. Quand on a en Haïti, c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés.
Moi, en Haïti, moi, oublié le numéro, mais. Nous pas bon local pour le moment en Haïti. Non, non, nous, okay. Nous en cours d'enregistrement. Mais nous avons deux représentants Haïti qui c'est Lionel Edouard, moi, quoi, qui bon ici en tout. Et puis, nous avons notre CEO en Haïti qui c'est Eric Fouché. Moi-même, personnellement, moi, disponible en ligne sur Facebook, Dovilas Anderson, ou qu'à écrire n'importe qui le, m'a répondu n'importe quel disponible. Délinquance juvénile, non pas bon ici en Haïti, est-ce qu'on a bon des problèmes? Ça, parce que nous, plus parler de délinquance juvénile aux États-Unis. Là, si on fait des analyses en Haïti, des enquêtes en Haïti, et comment on a pris pour ça? Alors, nous avons deux directeurs qui sont un directeur de jeunesse avec un directeur médical qui est intéressé avec, donc, non seulement délinquance, mais processus d'incarcération. Et nous avons un jeune membre qui a vécu à Haïti, qui lui-même a travaillé sur un processus pour garder et est-ce que droit de ne pas violer spécialement les yo, donc mettez-vous dans la prison tant que vous êtes jugé, etc. C'est un plaisir de recevoir des centres de violence. Merci infiniment, c'est moi pour dire merci. Hein. Voilà, amis téléspectateurs, nous avons recevoir Anderson Andovilas, lui-même par rapport avec l'organisation qui a gagné, il a gagné pour être capable d'investir en Haïti et travailler dans la question de l'éducation juvénile. Avec lui, nous avons gardé la question de diaspora, intégration diaspora dans la vie haïtienne. Et bien, c'est avec lui, nous avons gardé toutes les questions. Merci pour la fidélité. Attention, si vous regardez nous en direct, nous souhaitons passer une bonne journée. C'est dans l'après-midi, dans la rediffusion. Nous souhaitons bon après-midi. À la prochaine.